Good morning, allez, Idan et Sutra, aujourd'hui, le Nishmat David Ben Fortuna, Mazan Fritna et Lucienne Batrina. Si vous souhaitez, vous aussi étudier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternel. Nous étudions le Sechad des Drahim, Perek Yudalef, Mishnah Bet, Ve Elohem Nidre Innu Inefesh. Amra, Konam Perot Aolam Alay, Arezei Achol Leafer, Perot Medina Alay, Yavila Mi Medina Acheret, Perot Chenvanize Alay, Eno Yachol Leafer. Imlo Aita Parnasato Elam Imenu, Arezei Yafer. Divrei Rabbi Yossi. On va approfondir à présent davantage l'introduction de la Mishnah présente qui sont quels sont les nédarim que le mari peut annuler. On avait introduit un premier groupe, il y a deux groupes, les choses de nédarim de Innu Inefesh, une souffrance morale, une souffrance de la femme, ou encore les dvarim chez Benon le Benal, les choses qui le concernent en intimité à lui. Il n'y a pas de souffrance pour la femme, mais qui le concerne à lui, que ça le dérange, elle a le droit de les annuler aussi, la Torah l'a dit qu'elle peut aussi les annuler. D'accord ? Ben ishlishto, il y a deux expressions. Des fois on dit innu inefesh, la not nafesh, et des fois la Torah dit aussi ben ishlishto, ce qui concerne à lui. Entre parenthèses, j'ai voulu préciser une raison très importante aussi, une machloquette fondamentale entre le Rambam et les autres commentateurs. Est-ce que le père qui a le droit de donner le nédarim de la femme, de la fille, est-ce que c'est aussi les choses qui ont que Innu Inefesh, ou c'est tous les Nedarim et une marque sur ça? Selon Rambam, c'est la même chose, c'est que les Nedarim qui concerne Innu Inefesh, tandis que, selon tous les autres commentateurs, non, le mari, le père, il peut annuler tous les Nedarim de la fille. Pour faire la parenthèse, ça ne nous concerne plus pour notre Mishnah, la Mishnah nous dit concrètement c'est quoi des Nedarim de Innu Inefesh. Alors on va plus entrer dans les détails, et je rappelle, la Mishnah l'avait laissé selon Rabbi aussi, pas selon Chachamim, mais là, selon Rabbi aussi, parce qu'en fait, je réintroduis on l'avait déjà expliqué dans la mission précédente, que Innu Inefesh, c'est qu'il y a une souffrance. Maintenant, souffrance, ça dépend combien de temps ça dure, combien ça endure. En l'occurrence, ne pas se laver, c'est désagréable, mais c'est supportable pendant une journée. Ne pas se laver pendant une semaine, ça devient insupportable. Alors, si une femme, elle s'interdit qu'elle ne va pas se laver durant une journée, est-ce que le mari peut annuler le néder? C'est quelque chose de supportable, elle n'a pas de souffrance. Dans la mesure où ça ne concerne pas lui, ouais, elle ne sait pas qu'elle dégage de mauvaises odeurs, elle est nida de toute façon, ils n'ont pas de rapport entre eux, ça ne dérange pas. Mais maintenant, par rapport à elle, il y a une souffrance de ne pas se laver. Est-ce que le mari peut annuler? Il lui dit, ah, tu as fait un éder que tu ne vas pas te laver pendant une journée, je l'annule. Ou non? Il y a une marloquette fondamentale. Selon Chachamim, ils disent, écoute, se laver, c'est un thème qui touche au Innu Inefesh, à la souffrance, tu l'annules même si c'est qu'une heure qu'elle ne se lave pas. Selon Rabbi aussi, il faut attendre qu'elle se soit interdit une quantité suffisante pour qu'elle en souffre. Or, une journée, c'est pas une grande souffrance, le mari ne peut pas l'annuler. Selon ce principe, on a maintenant Rabbi aussi qui va me dire maintenant, s'interdire de manger des fruits. Alors, elle va dire, Evelom Nidre Innu Inefesh, tels sont les Nidrim de Innu Inefesh, Amrab Konam Perota Olam Alay, je m'interdis tous les fruits du monde sur moi. Alors là, quelqu'un qui ne mange pas de fruits, c'est un éder qui touche à la souffrance morale, parce que la souffrance nafshit, je ne sais pas comment on dit le mot nafshit, quoi. Morale, c'est pas le bon terme, mais. En tout cas, elle s'interdit les fruits, et c'est sûr qu'il va y avoir un moment où ça va sentir une bonne odeur de mangue, ou de fruits de la passion, et puis elle va... Et c'est une souffrance. Donc le mari peut annuler tous les fruits du monde. Tandis que, donc, Arezé, l'affaire, et le mari pourra annuler ce néder-là. Par contre, elle a dit, Perot Medina, là, je m'interdis les fruits de ce pays-là. Ouais, fruits de provenance d'Espagne, ou de nos cousins palestiniens. Alors le mari va, il y a Vila Mimdina, il n'y a pas de problème, et le mari ne peut pas annuler parce qu'il a la possibilité de les apporter dans notre pays. Il y a un marché assez vaste d'import-export de fruits, il n'est pas bloqué. De même aussi, elle s'est fâchée avec ce Renvani, cet épicier. Je ne peux plus les supporter, je fais le néder que je ne mange plus leurs fruits. Perot Renvani Zéala, je ne mange plus les fruits qui viennent de ce Renvani, ça vient du Mokhanout aussi, Renvani, de cet épicier-là. Et non, il y a faire, le mari ne peut pas annuler, c'est pas grave, il y a deux épiciers, tu vas chez lui, après tu vas chez l'autre, il n'y a pas de problème. Toutefois, Vim Loaita Parnasato Elami, mais non, par contre, si le mari il avait l'habitude de se ravitailler chez lui, parce qu'il n'y a que lui qui lui fait confiance, vous savez, il payait à crédit à l'époque où on inscrivait, puis après de temps en temps, on fermait les comptes. Le mari est intéressé, parce que non, il faut avoir sans arrêt de l'argent liquide pour pouvoir payer. Ça n'intéresse pas le mari, donc il a besoin d'avoir un renvani, un épicier avec qui il est de confiance. Chaque fois que je vais, j'achète, il inscrit. On atteint les 3000, 4000, 5000. Je viens et je paye tout d'un coup. Ça m'arrange de faire ça. Elle a fait le néder qu'elle va plus profiter de ce qui vient de ce magasin-là.
Pour moi, ça rentre maintenant dans le Beno, le Beno, Beno, le Bena. Ken, c'est, je sais pas cette chose, une nefesh, je ne sais pas comment le définir, est-ce que c'est une nefesh ou Beno, le Bena. Ça me manque un peu, mais en tout cas, une seconde, Yud, c'est pas précisé. C'est pas précisé, mais en tout cas, c'est quelque chose qui concerne maintenant au mari, j'imagine que c'est plus... c'est quelque chose que maintenant, ça, peut-être que ça, c'est possible que réellement ça va devenir une nefesh. Parce que moi, j'ai le devoir de donner à manger à ma femme des fruits quand on en veut. Maintenant, c'est vrai que je peux aller les chercher de partout, mais si j'ai l'habitude d'aller acheter que chez ce Khanani, parce qu'il n'y a pas d'autre épicier qui me fait confiance pour me donner un crédit. Donc du coup, elle va se retrouver en situation où elle pourra plus manger des fruits, parce que j'ai nulle part ailleurs où aller les chercher. Dans ce cas-là, ça touche déjà une nefesh, il pourra l'annuler. Tout ça, cette Mishnah, elle va selon Rabbi aussi, à exclure que selon Khachamim, dans tous les cas, tu peux annuler. Parce que si les fruits, ça touche au grand sujet général de Inouï Nefesh de souffrance, alors même s'interdire quelques fruits, ça aussi, tu pourras aussi les annuler le Neder, d'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tuv, Sela.